Bonjour David Nichon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous ce qu'il est important de connaître à 20 ans. Comme je l'ai dit, je vais partager avec vous les leçons importantes qu'il est important de tirer à 20 ans. J'ai vu la question sur Quora. Elle a été traduite par Guillaume Bonnet. Et l'auteur original de la réponse, de la question, je ne sais pas, c'est Max Lukominski. Voilà, mais en gros, le leçon important qu'il faut tirer à 20 ans. Et je pense que ceux de mon audience qui me regardent, la majeure partie sont tous des jeunes. Ce que je m'apprête à dire, ce n'est pas seulement pour les personnes qui ont 20 ans. Ou moins, mais c'est également pour les personnes qui sont déjà adultes. Et je pense que moi, quand j'ai vu, ça m'a tellement touché que je me suis dit qu'il fallait que je partage ça aussi avec vous. Donc déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que la vie a déjà commencé. D'accord? Il n'y a pas de, comment dire, d'interlude ou de version d'essai. La moindre décision maintenant a son importance. C'est-à-dire qu'une fois que vous entrez dans le monde adulte, chacune de vos décisions va avoir un gros impact sur le cours de votre vie. Première chose à savoir, c'est que la vie a déjà commencé. Deuxième chose, vos amis d'internet sont de faux amis. C'est clair. Parce que beaucoup de gens aiment nous dire, il y a un comportement quand on est dans les, sur les réseaux sociaux et un autre dans la vie réelle. Et les amis que vous connaissez sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas vos vrais amis. Vos véritables amis, ce sont les personnes qui sont avec vous, qui sont là quand vous avez des problèmes, qui sont là quand également les choses vont bien chez vous, qui interagissent avec vous, qui sont vraiment prêts à vous aider. C'est eux là vos vrais amis. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que si vous tombez amoureux, vous devez être prêt à avoir le cœur brisé. Alors, je ne dis pas que vous devez être prêt à rompre, non. Je dis que vous devez être prêt à connaître des déceptions. C'est normal, c'est vraiment normal. Quatrième chose, étudier, ça ne s'arrête pas après le gala de remise des diplômes. D'accord? En fait, il y a deux types d'intelligence que vous devez connaître. Il y a d'abord l'intelligence de la vie et l'intelligence de l'école. L'intelligence de l'école se poursuit toujours, même après le diplôme. Mais l'intelligence de la vie, c'est vraiment éternel. Donc, l'apprentissage, c'est un processus continu de votre croissance. Vous devez le mettre vraiment au cœur de chacune de vos activités. Cinquième chose, choyez les gens les plus importants dans votre vie. Parce que, au final, quand vous allez vous retrouver tout seul, ou quand vous serez bientôt à la fin de votre voyage sur Terre, seules les personnes que vous aimez et qui se soucient de vous seront là. Donc, choyez-les, profitez de chaque instant avec eux. Moi, dans mon cas, j'ai perdu mes deux parents quand j'avais 12 ans. Et du coup, ça n'a pas du tout été facile. Donc, je vous encourage vraiment à profiter de chaque instant que vous avez avec, pas seulement vos parents, mais vos frères, vos sœurs. D'accord? Arrêtez les querelles de gamins et commencez à accorder du temps aux personnes que vous aimez. Septième chose, vos faiblesses ne comptent pas vraiment. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur vos forces. Minimisez vos faiblesses et maximisez vos forces. Je ne dis pas de ne pas corriger vos défauts, bien sûr. Faites l'effort de corriger vos défauts, c'est vraiment important, mais n'en faites pas tout un plat si vous avez, si vous n'êtes pas bon dans quelque chose, d'accord? N'en faites pas un plat, ok? Et septième chose, tout ce qui en vaut le coup prend du temps, c'est clair. Si vous voulez vraiment réaliser quelque chose dans votre vie, vous devez être prêt à être patient, les gars. La patience, je sais pas, je suis pas le premier entrepreneur, oui pardon, la première personne aussi qui viendra vous dire dans une vidéo d'être patient. La patience, moi sincèrement je crois pas, je prends un exemple, aujourd'hui tous les jeunes, nous tous, que nous sommes jeunes ou âgés, tout le monde veut vivre une vie financièrement géniale, d'accord, mais moi je crois pas à ces histoires de millions en quelques jours, c'est pas possible. Ok, c'est pas possible. Quand je parle de millions, je parle de millions de dollars, je parle de millions d'euros. Ok, je parle pas de millions de francs CFA, mais être déjà millionnaire, c'est pas possible. Ce genre de fortune, ça se construit pas en un coup.
c'est seulement au loto, vous allez voir ça. Et ça, c'est après combien de tentatives, d'accord? Donc, soyez patient. Vous voulez être un directeur général. Vous voulez être un chef de famille vraiment intéressant. Vous voulez être un ami vraiment précieux pour les autres. Ça va prendre du temps. D'accord? Quelque chose que vous voudrez devenir d'important dans votre vie, dites-vous que ça va prendre du temps. Parce que ça en vaut la peine. Huitième chose, toutes les opportunités se situent en dehors de votre zone de confort. Et ça, c'est vraiment puissant. D'accord? C'est vraiment puissant. On a tous tendance à être dans notre zone de confort. C'est-à-dire, quand on a eu notre petit job, on gagne 1000 euros, ou pour ceux qui sont à Abidjan, vous gagnez 300 000 francs. Voilà, vous commencez à vous endormir. Ok, vous pensez que voilà, la vie c'est ça. Avoir son petit boulot, sa femme, tout ça. Mais les grandes opportunités se trouvent toujours en dehors de votre zone de confort. Donc, je vous encourage vraiment à vous créer des habitudes. Créez-vous des habitudes qui vont vous faire sortir de vos zones de confort. Adoptez de nouvelles choses. Dans mon cas, j'apprends tout le temps de nouvelles choses qui me challenge. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne tradais pas. Mais j'ai décidé d'apprendre le trading. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne maîtrisais pas Laravel. Mais j'ai décidé d'apprendre Laravel. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne faisais pas trop de sport. Mais je me suis mis au sport. Donc, derrière, mettez-vous toujours dans des situations d'inconfort. C'est là que vous verrez les grandes opportunités. Dixième chose, le monde est plein d'injustices. Vous devez vous mettre ça à l'esprit. Et voilà. La vie dans ce monde, elle est injuste. Et il faut que vous attendiez à être très déçu. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. Il y a Denzel Washington que vous connaissez. Son visage va apparaître juste ici. Il a dit quelque chose de très très important. Il a dit qu'un oiseau qui est arrêté sur une branche n'a pas peur que la branche se casse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en la branche. Il a plutôt confiance en ses ailes. Donc, je vous encourage vraiment à vous faire confiance d'abord. Ça, c'est bien. D'accord? Et n'attendez pas plus qu'il en faut des autres. Parce que vous serez toujours déçu. Si vous suivez toujours les hommes, si c'est les hommes que vous suivez toujours, vous allez toujours être déçu. Donc, je vous en prie, pensez à votre bien-être. Okay? Évitez de faire trop confiance. Parce que dans le monde des affaires, dans le monde de l'amour, dans n'importe quel domaine de votre vie, vous allez rencontrer des déceptions. C'est comme ça. Donc, c'est ce qu'il fallait. Bon, c'est la première partie des choses qu'il faut savoir déjà à 20 ans quand on est dans la vie adulte. Je vais faire une deuxième partie pour ce sujet parce qu'il y a encore 10 autres choses à savoir qui ont été partagées par l'auteur. Donc, je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne, partager, taguer un de vos amis, laissez-moi un commentaire. Pour celui qui laisse un commentaire à cette vidéo, je lui envoie un cours gratuit. D'accord? Je lui envoie un cours gratuit dans le domaine de la programmation. Donc, si ça vous intéresse, mettez-moi des commentaires. Abonnez-vous pour être notifié quand la deuxième partie de la vidéo va sortir. Voilà, c'était David Yao. Je vous encourage toujours à apprendre. Ciao.